monsieur. Bienvenue. Eh bien, vous savez, je suis né dans cette maison il y a 87 ans aujourd'hui. Et donc, mon père était déjà cuisinier. Et la première chose qu'il m'a appris, c'était de faire dans une cocotte un rognon madère. Ça va faire les prochaines 50 ans de 3 étoiles. Et pour avoir 50 ans de 3 étoiles, je crois qu'il faut faire la qualité, être généreux. Et puis, si vous voulez, pour moi, la cuisine française, c'est du beurre, de la crème et du vin. Maintenant, on pourrait peut-être rajouter un petit peu d'huile d'olive. Trois homards à l'américaine avec trois cocottes, je trouve, une avec du riz, une avec des épinards et une avec sauce américaine. Oui, chef. Trois cocottes au bord avec trois couverts. Riz, épinards et sauce américaine. Voilà. Eh bien, d'abord, c'est un matériel qui est agréable. Et si vous voulez, c'est formidable parce qu'on peut faire tellement de choses dans une cocotte. On peut faire un rôti, on peut faire une soupe. C'est ça qui est important. Et puis là, aujourd'hui, la cuisine mijotée revient à la mode. C'est ça la cuisine française. Cocotte soupe, la qualité paye toujours. Christophe, tu envoies ça en table 12. La cocotte soupe va vers les clients avec le couvercle et ça, c'est formidable. On lève le couvercle, ça fume et on peut se servir de froid. Bravo la cocotte soupe. Staub. Taste the excellence.